famille, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Moi, je vais super bien. Et aujourd'hui, j'aimerais bien vous partager un de mes statuts que j'avais mis sur mon compte Facebook et sur mes différentes pages. En fait, c'est une lettre ouverte aux fans de la Légion et à mon artiste des Bordeaux Likoufa. J'aimerais signifier deux petites choses avant de vous la lire. Je reste et je demeure fan des Bordeaux Likoufa à vie. Je demande aussi à tous ces fans découragés, à tous ces fans rebellés, de faire bas la tête et de continuer à toujours soutenir la TIS. Nous sommes tous des humains. Nous faisons des erreurs. Ceci étant, je vais vous lire maintenant ce message-là. Je sais déjà d'avance que les commentaires divergeront. Mais en fait, je vais juste vous partager ce que j'ai ressenti réellement durant toute cette période. Voici la lettre. Être fan des natifs, c'est tout un périple. Au début, on te félicite pour ton dévouement et ton abnégation envers ton natif. Quelques phrases. Par exemple, t'es le meilleur fan, il n'y a pas deux comme toi, tu es un vrai fan. Si ton natif pouvait voir tous tes sacrifices pour lui, courage, il te sera reconnaissant un jour. Bref. Mais si par malheur, tu es un fan qui n'a pas la langue dans la poche, que tu as le courage de dire publiquement ce que tous pensent de la TIS tout bas, là, tu es automatiquement un faux fan, un profiteur. Bref, tu es même le fan d'un autre TIS que tu fais semblant d'aimer, celui que tu aimes et apprécies réellement. Or, quand tu te battais pratiquement, tout seul avec une minorité de personnes administrant une page dont je vais taire le nom ici et donner ta poitrine où Latisse avait le plus besoin de soutien. Ces personnes n'existaient pratiquement pas. Ces jugeurs d'aujourd'hui. Mais c'est la vie. J'ai mieux à apporter et à faire sur YouTube après une telle expérience. Je viens passer long discours. Vous dis merci pour tout votre soutien jusqu'à ce jour. Mais je ne serai plus le même concernant mon attachement à la TIS que vous devinez. Mieux vaut rester un faux fan dans votre esprit que de vouloir faire plaisir à des personnes qui se sont déjà fait une idée arrêtée de ton combat pour la TIS. Et un conseil pour finir. Un fan reste un fan, mais un fan ne reste pas un mouton. Soutenez toujours la TIS, mais ayez le courage de lui dire vos vérités. Toujours. Cela ne change rien à votre statut de bon et vrai fan. Votre seul témoin, c'est Dieu et votre entourage proche. Ne soyez pas lâche et restez digne. Pour ma part, je ferai comme je peux. Pour aider la TIS, mais sans me prendre la tête désormais. Note bien. Là, je m'adresse à vous individuellement. Ne te casse jamais la tête pour des personnes qui viendront te cracher à la moindre erreur. Big up à vous les fans. C'était mon message du jour. S'il vous a plu, partagez-le massivement. Que Dieu vous bénisse et bon week-end à tous. Ciao, ciao.